Au IIIe siècle de notre ère, le poète Philostrate contemple les tableaux qui décorent une riche villa des alentours de Naples. À l'occasion de sa visite, il livre une description explicative et poétique de chaque image, nous invitant à éprouver la puissance évocatrice des beautés qui s'offrent à son regard. Les couleurs, les compositions, les ingéniosités esthétiques produisent des effets sensoriels si envoûtants que le poète s'exclame devant un détail de fleurs. J'ose le dire, elles ont le parfum des vraies roses. Ailleurs, une scène de divertissement le conduit à questionner. N'entends-tu pas le son de la flûte? Un murmure confus. À notre tour, promenons-nous avec délectation d'une œuvre à l'autre. De laisser votre...